Existe-t-il une limite à la transparence et laquelle? À une telle question, j'ai envie de répondre de façon un peu ironique en disant que la limite de la transparence pour de l'eau ou pour un verre ou pour une glace, c'est son épaisseur en tant que telle. Et si vous interprétez la transparence comme l'esprit de l'homme ou l'esprit de la société, la limite de la transparence sera l'épaisseur précisément de la personne ou l'épaisseur de la société. Parce que ce qu'on appelle la transparence, c'est la possibilité de transmettre une information à travers un média. La transparence d'une vitre, la transparence d'une bouteille d'eau. Alors quelle est la transparence d'un être humain? C'est l'épaisseur de sa psychologie, c'est sa dimension subjective. Quelle est la transparence de la société? C'est l'ensemble des articulations sociales, des informations, des différents éléments qui constituent le social en tant que tel. Alors, est-ce qu'il y a une limite à la transparence? Oui, tout simplement le poids ou le volume de l'objet considéré. Quelle est la limite de la transparence de la parole d'un enfant? Ben, sa culture. Quelle est la limite de la transparence de l'attitude d'un adulte? Sa fonction sociale ou sa fonction professionnelle. En tout cas, pour ne pas répondre trop longuement à cette question, je crois qu'il y a une limite à toute transparence, c'est l'existence même de ce qui transparaît, de ce qui apparaît comme un phénomène. Et il n'y a jamais de transparence totale. Car si nous étions transparents à nous-mêmes, ou si la société était transparente à elle-même, ben nous n'aurions pas besoin de sciences humaines, de psychologie, de psychanalyse. Pour tout dire, ça se saurait. Voilà ma réponse. Le numérique facilite l'information et le renseignement. Vos commentaires? Ce qu'on appelle le numérique, et en particulier Internet, c'est une généralisation de l'information à l'échelle de la planète et à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire instantanée. Donc que ce soit l'information brute ou le renseignement recherché, le numérique, c'est-à-dire la mathématisation de la transmission de l'information, est devenu de plus en plus positive et de plus en plus facile. Alors quel est mon commentaire? Nous ne pouvons plus nous passer du numérique, pas plus que nous ne pouvons nous passer, ou nous n'avons pu nous passer de l'imprimerie ou auparavant de l'écriture. C'est tout simplement un médium ou un média, comme on dit parfois, qui consiste à effectivement transmettre instantanément et universellement l'ensemble de l'information dont l'homme dispose aujourd'hui. Commentaire positif, ça permet évidemment à tout moment d'avoir des renseignements sur le monde extérieur. Commentaire négatif, cela risque de mettre à mal évidemment la sphère privée, parce que si tout le monde, un peu comme dans 1984, est sous le regard de Big Brother, c'est-à-dire d'une information généralisée ou d'une transparence généralisée, il n'y aurait plus de vie privée ou de vie individuelle. Si vous le pouviez, quel secret aimeriez-vous dévoiler et pourquoi? En ce qui concerne le secret personnel de chaque individu, j'aimerais connaître effectivement quelle est mon origine, ou quelle est l'origine au-delà de moi-même, quelle est l'origine de l'homme. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que tout homme est à la recherche de ses origines. Quand vous prenez le dernier roman d'Albert Camus, roman inachevé et posthume, puisque Camus s'est tué en 1960, avant de finir de le rédiger, vous apercevez que Camus est à la recherche de son origine. Le personnage de Camus, en tout cas, est à la recherche de son origine. Et donc le secret, c'est le secret de sa naissance. Et quand on lit Le Premier Homme, on s'aperçoit que le premier chapitre de la première partie, c'est justement la naissance du personnage principal. Comment se fait-il que nous soyons nés? C'est-à-dire que nous soyons apparus à la surface de la Terre. Et donc le secret le plus important pour un être humain, c'est de savoir qui il est en tant que tel. Et donc si j'avais à dévoiler un secret, mon secret personnel, ou le secret de l'humanité, ça serait de savoir comment l'humanité est devenue possible, et comment moi-même je suis en tant qu'homme devenu possible. Pourquoi? Tout simplement parce que la connaissance de soi me paraît indispensable pour vivre, non pas simplement pour savoir abstraitement qui l'on est, un homme ou une femme,
mais tout simplement pour vivre et par là même donner un sens à sa vie. Voilà ma réponse. Merci de vos questions et de cette émission.